Il y a quelques parents qui sont en train de discuter avec des policiers. Je vais me rapprocher. Ils veulent visiblement passer. Alors, il y a des parents qui se renseignent justement pour leurs enfants. Ils se trouvent toujours à l'école. Excusez-moi, vous attendez de récupérer vos enfants? Donc vous avez vos enfants à l'école et vous ne pouvez pas les récupérer parce que... Oui, c'est sur un... Vous ne voulez pas être filmé? Mais vous voulez pas... Vous avez votre enfant et vous ne pouvez pas les récupérer, c'est ça en fait? Oui, on ne peut pas les récupérer. Je ne sais pas comment on fait. Vous devez attendre, ils ont dit ou... Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'ont dit rien, ils m'ont dit qu'il faut attendre. On n'a pas encore eu qu'il... La réponse, c'est pas. Les enfants, ils n'ont pas peur de... C'est le directeur qui décide. À 3h30, il a un traitement. Il a un traitement, monsieur. Il a un traitement à 3h30. Il a un traitement, monsieur. Il a un traitement, il est malade. Je ne veux pas dire devant tout le monde. Monsieur, deux personnes à l'égo. Les parents qui sont inquiets, justement, qui veulent récupérer leurs enfants. Deux personnes à l'égo. Attends, le directeur a fermé. Attends que tout le monde soit ici et puis il y a un monsieur qui apparemment, il ne s'est pas encore prêt. Non. La dame a dû revenir. Non, c'est pas à moi de décider. Si j'habite juste le directeur. Appelle le directeur qui parle avec la vétérinaire. Non, c'est ça, appelle le directeur. Ah oui, appelle Allah avec le directeur. Si toi, n'es pas le chef. Quoi ça? Madame, avec le bonnet rouge,
nous sommes toujours hein, devant l'école numéro 1 de Skarbek, l'école communale de Skarbek, où les parents des enfants souhaitent, ce que vous voyez à l'image, souhaitent récupérer leurs enfants de l'école. Alors ils sont reçus petit à petit. On voit une évacuation justement des enfants. Enfin une évacuation, les enfants sont quittent l'école. C'est bizarre, on ne peut pas. Même la police ne protège pas. La police ne protège pas. Comment on fait? Vous êtes rassuré maintenant que vous avez récupéré votre fille? Et je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Après aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. C'est vraiment, c'est catastrophe dans cette école. Vous ne savez pas s'il faut la garder, là, on ne sait pas. On ne sait rien. Ouais. Il faut qu'on nous trouve une solution. La police part là, à gauche, à droite, on a passé par l'autre porte. Ça, c'est pas possible. Depuis 13 heures, on traîne. La derrière porte, là, la police, non, c'est pas possible. Vous parliez de votre fille, vous devez la récupérer pour un traitement, justement. Et vous ne vouliez pas le dire devant la police? Il a un traitement, la police ne me laisse pas passer. Les policiers sont... Il ne me laisse pas passer, il a un traitement, là, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire. Vous êtes rassuré maintenant d'avoir récupéré votre enfant? Rassuré? Oui. Oui, tu es rassuré? Tu voulais... Quel est ton avis par rapport à ce qui s'est passé justement aujourd'hui? Tu as peur? Tu sais ce qui s'est passé? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, dis, qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux me raconter, hein? Dis. Qu'est-ce que tu as entendu à l'école? Ben, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y avait une fille qu'elle s'est fait mal. Et sa maman, quand elle a pris sa fille pour rentrer, elle a vu du sang dans sa culotte. Elle a vu du sang dans sa culotte? Oui. Ça, c'est ce que tu as entendu? Et qu'est-ce que. Et à l'école, comment c'était à l'école la situation? J'ai rien vu, c'était bien. Normal? Oui, normal. Tu as vu. Qu'est-ce que ça te fait de voir le fait de la police aujourd'hui? Beaucoup de policiers. Choquée. Tu es choquée? Tu es contente? Tu es contente d'être sortie? Oui. Merci. Ça va? Merci beaucoup, madame. Je comprends. Elle est choquée. Je comprends. Merci. Ils sont dans le danger. Les enfants sont dans le danger. L'enfant est choqué. On doit faire. Ils vivent avec des pédophiles. Des psychiatres pour les enfants. Ouais, il faut chercher aussi. On va chercher des psychiatres pour nos enfants. Ouais. Ça, c'est. I don't have anything to say. I was not there. I don't know. It has happened. The only thing is that you people should look for where that judgment can be taken in the school, because we don't know. Because like this, there's no security. And what do you think about it? It's so bad. It's so bad for children. Yeah, it's okay. Don't cry. J'ai vu les matchs, quand j'étais à l'école, j'ai vu les matchs sur Facebook. Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi madame, vous ramènerez votre enfant ici Vous avez toujours confiance en l'école, je veux dire? Oui, je vais continuer jusqu'à la fin pour voir. Toujours confiance, on garde confiance. Oui, oui, mais il faut que on a quand même une sécurité. Sans sécurité, ça c'est pas possible. Plus de sécurité, donc je vous demande. Oui, plus. Ben, moi, ce que je réagis surtout par rapport à ce que je vois là. En fait, c'est-à-dire que ce que je vois, c'est que l'école de mon gamin est encerclée par un cordon de police pour qu'on puisse juste aller récupérer les enfants. Ce que je vois aussi, c'est que c'est pas les parents qui sont autour de l'école. C'est peut-être pas même pas les parents qui jettent des choses sur la façade d'un établissement scolaire. En fait, moi, cette école, je vais continuer d'y aller. Hein, c'est l'école, c'est une chouette école, c'est l'école où il y a mon gamin. Ça se passe très bien, l'équipe pédagogique est super. Mm-hmm. Et ce que je vois, moi, c'est... Un paquet de gens qui veulent juste foutre le bordel. Et si c'était tout votre simplement enfant, monsieur? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Donc voilà. Et si c'était de vôtre? Et si c'était de vôtre? Oui.